Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette petite vidéo pour vous parler du nouveau format sur lequel je suis en train de travailler. Alors, il s'agit toujours de parler de l'Afrique à travers son art et sa culture, mais cette fois-ci en mettant en lumière un pays. Alors, l'idée, c'est de vous proposer une série d'articles qui mettront en avant des artistes, des designers, peut-être des musiciens, qui parleront d'un fait historique et culturel relatif au pays. Alors, je vais commencer au mois d'octobre en parlant de l'Afrique du Sud. Alors, donc, pour l'Afrique du Sud, je vais vous présenter une sculptrice qui s'appelle Marisi Bande. Et à travers son œuvre, elle retrace l'histoire de l'Afrique du Sud. Ensuite, je vais vous présenter Tébé Magougout, qui est un jeune créateur et qui a gagné l'année dernière le prix prestigieux LVMH. Ensuite, je vais vous parler du tissu emblématique d'Afrique du Sud qui s'appelle le choué-choué. Et pour finir, je vais vous présenter Anouki, qui est une créatrice de bijoux, qui vit en Afrique du Sud, qui est d'origine indienne et qui fait des allers-retours en fait, entre l'Inde et l'Afrique du Sud. Et ce que j'ai aimé dans sa démarche, c'est que pour faire ses bijoux, elle s'inspire de l'ancienne architecture d'Afrique. Et donc, c'est vraiment un travail très poussé, un travail très recherché, et les bijoux sont vraiment très beaux. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous voulez que je vous parle d'un pays en particulier, ben, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. À très vite!